Bonjour à toutes, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve sur l'incroyable bouse, l'incroyable Hulk. Non, pardon pour la petite blague pas marrante. C'est pas non plus une bouse, mais c'est un jeu qui on va dire qui est vraiment pas du tout fini. On dirait qu'ils sont énormément pressés. Et ça c'est clair, il leur manque au moins 1 ou 2 mois pour finir le jeu. On va voir ça tout de suite ensemble. Il y a des bonnes idées, ça c'est clair, on peut pas dire le contraire. Donc déjà qu'on peut voir notre Hulk, notre géant vert là, comme une certaine marque que je ne citerai pas. Ce personnage est assez bien modélisé comme on peut le voir là, j'essaie de zoomer un petit peu, on peut pas zoomer. Lui et franchement les effets de lumière et tout dessus, et c'est vraiment très bien fait. La ville quand on est, ça va, c'est coloré, il n'y a rien à dire. On se retrouve encore dans New York pour changer hein, comme d'habitude en ce moment. Moi je commence à en avoir marre mais bon, il y en a qui adorent. Donc voilà, donc la ville quand on est prêt comme ça c'est coloré et tout. Mais on va voir tout de suite ensemble, regardez, je vais grimper. Ce qui fait la force de Hulk, c'est de sauter hyper haut et de s'accrocher aux immeubles comme ça en appuyant sur B. Je vais vous parler des touches aussi. Donc on appuie sur B et après ça monte tout seul. On a qu'à mettre vers le haut ou vers la droite, où il peut monter en diagonale aussi. Donc voilà, on se retrouve en haut d'un immeuble. Attendez, je vais prendre un plus haut. Voilà, on va prendre celui-là qui est en face. Donc pour sauter plus loin, on reste appuyé sur A et il sautera beaucoup plus loin. Là j'appuie sur carré, ça je vous expliquerai après, c'est pour donner un coup de poing, mais ça me permet d'aller plus loin. Donc je m'en sers pour ça. Moi je m'en sers jamais pour les combats. Voilà, allez, on va monter tout là-haut. Allez, monte encore. Voilà, là je crois que je peux pas être plus haut dans le jeu. Donc bon, on va rester accroché comme ça et on va regarder sur le côté. Donc vous allez voir la distance d'affichage qui est incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi si c'est pas magnifique sur le côté, comment on voit hyper loin. Non, franchement, c'est vraiment honteux de voir ça sur une console nouvelle génération, quoi. Spider-Man qui est pas un jeu non plus extraordinaire, mais un jeu qui restait correct pour une adaptation, quoi. Voilà, donc là, il s'est cassé la figure. Donc voilà, je vous ai même pas montré de bien, il faut que je remonte en haut d'un immeuble. Donc on voit vraiment pas loin, je sais, ma console commence à être un petit peu morte, elle fait des bruits bizarres. Mais ça m'étonnerait que ça soit ma console qui fasse ce bug-là, quand même, c'est pas possible non plus. On est sur 360, je le répète, on n'est pas sur PlayStation 2. Mais mince, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il saute dans tous les sens là? Ah! En plus de ça, il est impossible à manier ce gros bonhomme. Donc je vous montrerai une vue après, on va voir ça après. Donc avec croix X tout simplement, c'est pour donner un gros coup comme ça. Y ça donne un autre gros coup, on voit pas tellement de différence. Si je reste appuyé sur Y, ça donnera un coup plus fort. Également la même chose pour croix. Donc on peut faire des petits enchaînements quand il y a des ennemis. On peut détruire des voitures des fois. Voilà, vous voyez l'arbre. Je vais vous montrer tout de suite l'arbre. Regardez, à peine on le touche. Ouf, je touche une feuille, il explose. Hop. J'en peux plus. Pouf. Ah, j'arrive pas à l'éclater dessus. Donc c'est assez spécial, mais on peut ramasser quand même les troncs et tout pour casser la figure des gens. Donc ça c'est un point positif, c'est tout ce qu'on casse on peut le ramasser après pour le balancer ou casser la figure des gens. Voilà, là je le lance. Donc là il y a les militaires qui arrivent sur moi. Donc comme je disais, les voitures on peut les détruire, mais il y a personne dedans. Regardez, en gros, je sais pas, c'est des voitures fantômes. Par moment il y a des accidents et elles sortent du pare-brise, mais quand on tape dans la voiture il y a personne dedans. Allez comprendre, je sais pas du tout. Donc les voitures, bon, ça sert à rien de dire qu'il n'y a pas d'intelligence. Au niveau des piétons c'est pareil, malgré que des fois on frappe les piétons, ils se mettent à boiter. Attendez, on va voir si celui-là est... Bon, vous avez vu un bug en direct encore, il n'y a que ça, le mec il est rentré dans un mur. Des fois vous tapez des ennemis, ils disparaissent devant vous, vous comprenez pas ce qui se passe, c'est incroyable ça. C'est... Hop, on peut quand même prendre les piétons, avec croix on peut leur donner des grosses techs comme ça dans leur tête. Avec Y, on les balance comme ça, ou avec B on peut les balancer aussi. Donc pour les balancer, hop, je vais le prendre, si je veux le balancer vers le haut, je regarde avec la caméra vers le haut. Je reste appuyé sur B et je le lancerai en hauteur. Si je veux le lancer vers le bas, je le lance vers le bas. Regardez, là je vais lancer vers le bas la voiture. Donc là elle a été un petit peu, elle a été tout droit. Mais sinon un des bons points du jeu, c'est que vraiment tout est destructible. Même si c'est pas hyper poussé, c'est pas non plus extraordinaire, c'est déjà un très bon point. Donc on peut même faire écrouler des bâtiments, ils peuvent tomber si on les tape trop. Regardez là, j'ai donné un coup de poing là et ça a fait une onde de choc vers le bas. Oula, ça c'est un parking ça. Regardez les belles voitures dedans, comment c'est. C'est un petit peu lamentable aussi, mais bon, c'est pas le thème du jeu quand même.
Mais ça c'est pas mal, regardez, je marche et il y a tout qui explose sous mes pas. Comme par hasard là, ça le fait pas. Donc il a aussi la possibilité de courir, donc ça c'est des options, enfin pas des options mais des caractéristiques qu'il pourra apprendre au fur et à mesure de l'aventure. Il pourra sauter de plus en plus haut, il pourra faire, je sais plus qu'est-ce qu'il peut apprendre de différent, des techniques plus fortes. Ah si, il y a une autre panoplie de mouvements que je vous montrerai après. Donc il peut courir, lorsqu'il court il défonce tout sur son passage, même s'il touche pas une voiture. Regardez, là je la touche pas la voiture, elle explose quand même. Bah c'est sans doute avec les pas, les gros bonds qui fait que ça explose tout. Mais vous inquiétez pas aussi, les trucs que vous explosez, vous revenez 5 minutes après, ils sont nickel quoi. Enfin moi, avec tout ce que j'ai détruit dans la ville, à chaque fois, pour moi, est tout le temps nickel. Donc ça se trouve, ça reste détruit, mais moi j'en ai pas eu la preuve pour l'instant. Ouh, un joli bâtiment là-bas. Bah voilà, je vais vous montrer ça. Ouh, je veux un donut. Donc voilà, voilà. Sinon... Allez, je vais parler tout de suite de la panoplie des mouvements. Donc pour l'instant, j'ai appuyé sur la flèche directionnelle de bas. Et là, vous voyez que j'ai des petits trucs. Donc celui qui est là... Ah, je peux même pas parler. Allez, va-t'en toi. Ça me permettra, lorsque j'appuie sur Y et B en même temps, de me redonner de la vie. Regardez. Voilà, ça me redonne de la vie. La vie, c'est ce qui est en vert à côté, mais là, elle était pleine. Et en rouge, c'est sa jauge de haine. Donc la jauge de haine qui nous permettra de faire des attaques spéciales. Et pour les avoir... une attaque spéciale tout simplement, voilà. Et pour avoir ça, il faut détruire plein de bâtiments, tuer des gens, exploser des voitures pour gagner une zone, une barre de rage. Et sinon l'autre, je vais vous la montrer tout de suite, car il y a une sorte de méchant, c'est des petits insectes assez bizarres qui viennent sur vous. Donc j'appuie sur la flèche directionnelle de gauche, là je sais pas si je pourrais le faire, regardez. Hop, écrase moustique, il tape dans ses mains. Et lorsque la jauge rouge est au maximum, il fait la même chose, il tape dans ses mains comme ça. Hop là, dégage. Ah, laisse-moi. Donc il peut pas me laisser parler. Donc il fera ça et il y aura une grosse onde de choc partout autour de lui qui fera une grosse explosion. Donc ça c'est assez impressionnant. Donc voilà, là je peux vous montrer enfin le beau panorama. Regardez-moi ça comment. Ah mais c'est pas possible ça. Laissez-moi 2 secondes montrer la belle vue. On voit rien et on voit... l'eau. Je sais même pas si c'est de l'eau. Je sais pas si c'est un bug. Là il y a un pont. Il est même. C'est moche, c'est honteux. Même la PlayStation 2, on avait sur Spider-Man 2 ou Spider-Man 2, on avait une distance d'affichage 10 fois plus correcte que ça. Regardez-moi ça. Ça. Je pense pas que ça vienne de ma console, malgré qu'elle soit en train de mourir. Ça vient pas de ça. C'est vraiment. Ils sont moqués de nous. Là-dessus, c'est incroyable. Donc, allez, on va arrêter de parler de ça. Sinon, au niveau de l'histoire. Vu que je pense qu'il y a un film qui va sortir au cinéma, je pense que c'est une adaptation de film de toute manière. Je suis pas sûr du tout, mais à mon avis c'est le cas. Et à mon avis ils sont énormément dépêchés pour sortir le jeu en même temps que le film. Donc c'est pour ça que le jeu n'est vraiment pas du tout au point. Que ça soit au niveau de l'histoire, quand on commence le jeu, j'ai rien compris, j'ai vraiment rien compris. Je suis pas fan non plus de Hulk, ceux qui sont fans de Hulk peuvent peut-être comprendre ce qui se passe. Mais sinon c'est vraiment... Pour les gens qui connaissent rien comme moi, ils vont être vite fait perdus. C'est incroyable, on fait des missions, il y a des petits mini-jeux qui sont assez sympas où on doit détruire plein de voitures, des choses comme ça, mais sinon toutes les missions c'est un petit peu la même chose. Tuer les méchants sur le toit, exploser un petit truc qui fait des radiations. Par moment j'emmène un bonhomme avec moi, une sorte de scientifique, pour désamorcer une bombe. Vous savez comment il désamorce la bombe? Il se met devant et il bouge pas comme ça, il regarde la bombe. Mais ça la désamorce. Donc des fois c'est... C'est inquiétant même, je dirais. C'est vraiment très inquiétant. Donc les décors qui s'affichent au fur et à mesure qu'on avance. Donc ça c'est clair, tout est destructible. Comme je vous l'ai dit, on peut ramasser les éléments. Tenez, je vais essayer de détruire ce petit bâtiment là. Si je peux le faire, ça sera avec grand plaisir. Je vais essayer de le malmener. Donc c'est quoi ce petit item bleu qui clignote? Je sais pas du tout. Donc en bas à gauche, vous avez le radar là où il y a la jauge de vie, comme je vous l'ai expliqué. La zone, la petite jauge jaune, c'est-à-dire que j'ai des ennemis. Ah, je peux pas le détruire ce bâtiment, d'accord, il est pas destructible celui-là. Il y en a qui sont pas destructibles, ils ont pas envie d'être détruits. Donc le radar en bas à gauche que vous voyez, c'est les points rouges, c'est les ennemis, le point vert c'est moi. Donc après on aura les, par exemple vous voyez des petites croix, je sais pas si vous les voyez bien, qui sont assez transparentes, c'est à dire qu'ils sont assez éloignés de moi. Et plus elles sont proches de moi, plus elles seront épaisses, plus elles seront opaques, voilà, plus elles seront opaques. Donc on a les petites quêtes annexes, la quête principale à faire. Pour l'instant j'en ai qu'une seule. Voilà, voilà, ça j'ai parlé de ça. Sinon, allez, on va tout de suite aller dans les options. Donc, le statut, après j'ai les paramètres pour changer la vibration, les effets sonores et tout. Les stats, donc ça c'est mes petits stats. Ça c'est les facultés que j'ai réussi, les améliorations. Et attention, la carte, un temps de chargement de 10 secondes pour afficher une carte, mais tellement moche. C'est moche, c'est vraiment moche comme carte. C'est pitoyable. La carte de Spider-Man 3, faut dire ce qu'il y a, elle était magnifique où on voyait les immeubles et tout. Là c'est vraiment... On peut même pas poser de... Ouais, je peux même pas coordonner, c'est quoi ça, coordonner?
Ah si, je peux, j'ai rien dit, excusez-moi. On peut quand même poser un point, un pointeur sur le radar. Donc ça c'est... Voilà, il n'y a pas que du mauvais dans le jeu. Donc je vais vous montrer un autre truc qui est assez marrant, qui fait à chaque fois un bug. Enfin pas à chaque fois, mais à chaque fois que j'ai essayé de le faire, ça le faisait tout le temps. C'est quand on va dans l'eau, il ressort de l'eau. Et je sais pas, il s'enflamme tout seul, il devient fou. L'eau doit lui faire des choses bizarres dans son cerveau, on va voir ça ensemble. Regardez, regardez-moi ça, j'espère que ça va vous le faire. Est-ce que ça va le faire? Ah, ça l'a pas fait. Bon bah, je vais essayer de vous montrer ça un petit peu plus loin. Donc sinon, c'est vrai que dans certains quartiers, même si Times Square, ça ressemble pas énormément à Times Square, c'est approximativement ça, mais sinon c'est pas vraiment la même forme. Mais bon, mais sinon, ce qu'il faut dire, ce qu'il y a, il y a énormément de voitures, énormément de piétons. Donc ça c'est un bon point. Au début, dès que j'ai commencé le jeu, j'ai vu plein de piétons, plein de voitures. J'ai fait oh, c'est sur le coup, j'ai été surpris quoi. Allez, on va se balader tous les deux en amoureux. Viens avec moi. Je vais l'emmener dans l'eau, voir ce que ça fait. Allez, on va sauter, on va voir si ça fait le bug. Donc vous voyez les décors qui s'affichent au fur et à mesure, c'est assez, oula, c'est assez incroyable. Donc là, il saute tout seul. Hein. C'est moi qui, je vous précise, quand il sort de l'eau. Ah bah voilà, là, ça a fait le bug là. Regardez, il a sauté en arrière. Attendez, je vais vous le refaire. Je vais vous montrer que la manette, je fais rien avec. Regardez, regardez, là il saute tout seul. Regardez, regardez le bug. Il ressaute encore. Il repart en arrière. Allez comprendre, je sais pas pourquoi ça fait ça. Pour la peine, je vais me venger sur le piéton. Oh, il lui a fait une prise de catch, le pauvre. Et il se barre en courant. Ah, il a rien. Allez-y. Regardez, hop, je saute, j'appuie sur Y. Et voilà, une prise de catch. Voilà, donc en sautant, je peux le lancer, je peux lui donner des gros coups. Regardez ce qui est marrant, attendez, il faudrait que je trouve un lampadaire ou. Voilà, ça c'est pas mal, je crois, pour faire. Non, pas ça. Alors, on va essayer avec ça, ça se trouve, ça va marcher. Donc, on peut, comme je vous l'ai dit, ça c'est un bon point, on peut tout ramasser. Sauf les choses que je veux à chaque fois. Il faudra un truc avec lequel je puisse faire ça. Ah, voilà, un arbre, je crois que ça peut le faire avec. Alors, on va essayer. Si je le lance, regardez, il le lance. Voilà, il le lance comme ça. Mais sinon, il y a certains objets, il les lance comme un javelot. Ça va peut-être être détruit, je sais pas. Les draps, ah, normal, il y a des drapeaux et ça, à mon avis, ils veulent pas qu'on les détruise, ce qui est un petit peu normal. Le drapeau de la France, voilà un truc bien dans le jeu. Ouais, bon, c'est pas grave, je dirai après. Allez, on va faire une petite mission. Voilà, on va faire une petite mission. Qu'est-ce que c'est que ça? Course Hulk, parcours. Allez, on va se faire une petite course. J'appuie sur croix, je suis directement téléporté dedans. Donc, sinon, au niveau des graphismes, des cinématiques, faut dire ce qu'il y a, c'est vraiment moche, c'est dépassé, ça vaut pas les jeux actuels qu'il y a en ce moment, c'est assez vieillot, et les voix sont tout bonnement ignobles, ils sont pas faits avec conviction, on dirait qu'ils sont en train de déprimer, les cinématiques sont pas énormément bien faites, les têtes des personnages non plus, c'est dommage, car ils auraient pu faire un truc sympa. Regardez Kung Fu Panda, une adaptation. Kung Fu Panda, c'est un super jeu, quoi, c'est peut-être enfantin, mais c'est au moins en délire dessus, alors que là, ok, c'est sympa de détruire tout ce qu'il y a. Ah, laisse-moi monter. Tout ce qu'il y a, c'est sympa. Franchement, ça, ils auraient pu faire un super truc, je pense. Hein. Mais bon, tant pis. Hein. Allez. Donc, ça fait combien de temps qu'on a commencé? Tout de même, ça va pas durer longtemps. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour du jeu. Donc, faut que j'aille où maintenant? Donc, les déplacements, c'est marrant quand ils sautent. On peut le faire ralentir, accélérer. C'est assez particulier. Ah, j'ai oublié de passer dans celui-là. Donc tout explose sur le passage. Ah, j'ai pas parlé. Par moment, il y a énormément de ralentissements. J'ai eu quelques freezes. J'ai eu deux. Ouais, j'ai eu deux freezes au jeu. Alors, j'ai pas joué énormément, mais j'ai eu deux freezes. Ça m'a un petit peu embêté. Sinon, ouais, des ralentissements. Alors que quand il y a plein de voitures, plein d'explosions, des fois ça ralentit pas. Allez, saute. Des fois ça la ralentit pas. Mais par moment, vous marchez, il y a rien du tout à côté de vous. Vous êtes dans un bois ou n'importe quoi. Et là, ça va se mettre à ralentir. J'ai pas compris, c'était assez particulier. Allez, monte. Donc sinon, oui, lorsqu'il court aussi, des fois, il s'arrête tout seul. Alors que vous êtes toujours en train d'appuyer sur RB. RB, oui, vous appuyez sur RB. Et il s'arrêtera de courir tout seul. Je sais pas pourquoi. Ah, j'ai pas parlé de ça aussi. LB, c'est pour se protéger. LB, RT, RT, c'est pour se protéger. On peut se décaler sur le côté, en avant, en arrière. Voilà, sinon, ouais, j'ai parlé de toutes les touches. J'ai fait le tour de la question. On va finir cette petite course là et je vais vous laisser là-dessus. Voilà, j'ai terminé. Moi, je vous laisse sur cette belle vue où on voit 50 mètres maximum. Et j'ai eu la bronze. Et moi, je vous dis à la prochaine.
vais faire aller 2-3 petits sauts pour vous et on se quitte là-dessus.